Bonsoir à tous. Les tirages de conseil de jour pour les 5, pour les 12 signes, un conseil, une carte de jour. Que je tire une carte chaque signe. Alors, on commence avec les béliers, que j'utilise l'oracle. Alors, les béliers, conseil de 5 février pour vous. Alors, les béliers, vous êtes connaissance, il y a un changement, vous êtes prêt conscience à une situation, il y a un changement, il y a une transformation, il y a un changement, soit une tristesse, ou soit une relation, ou soit quelque chose qu'il était, que vous sentez mal le cœur, ou vous sentez peut-être une blessure ou quelque chose qui doit sortir, un changement positif pour vous. Il y a libération, les tristesses, l'angoisse ou quelque chose dans votre cœur qui blesse, quelque chose que vous êtes prêt, la conscience doit libérer ça et besoin changer les béliers. Les conseils pour les taureaux, pour les saints. Les taureaux, ça sortait le printemps. Mais vous avez besoin de prendre aussi un nouvel départ, peut-être le printemps. Pour vous, c'est un changement de vie générale ou quelque chose que vous voulez apprendre le printemps. C'est quelque chose que vous pensez à un changement les directions, au changement professionnel, au changement quelque chose, ça va arriver. Les printemps, vous pensez beaucoup à ça. Il y a un changement pour vous aussi. Les taureaux, la journée de vous êtes quelque chose qui vous êtes présent maintenant. Vous êtes prêt à une nouvelle forme, à une nouvelle situation, à une nouvelle direction ou à un changement. Pour moi, c'est quelque chose qui débute quelque chose. Peut-être à bientôt, ça va démarrer quelque chose de nouveau ou un changement peut-être nouveau. Quelque chose de nouveau pour vous. C'est une nouvelle, vous prenez une nouvelle forme. Pour moi, il y a un changement pour les taureaux. Les gémeaux, besoin de lâcher prise. Prenez votre vie à la main, les gémeaux. Besoin lâcher l'énergie et lâcher prise à une situation et prenez votre vie à la main parce que vous êtes peut-être pas trop mature ou soit vous êtes pensez à un enfant qui a besoin de l'aide ou soit à cause des enfants doit prendre votre vie à la main pour l'avenir. Peut-être il y a quelque chose, quelqu'un il est pas mature ou quelqu'un qui ne prend pas les choses sérieuses ou soit c'est quelqu'un qui doit lâcher un petit peu l'énergie négative ou les tristesses, les gémeaux. Un conseil pour les cancers. Les cancers, qu'elles pensent beaucoup, ils observent, qu'elles font attention, tout ce qu'il y a, les communications, les choses que vous voyez plus claires. Vous êtes quelqu'un intelligent et vous êtes une bonne parole, vous êtes sage, vous êtes beaucoup la savoir et beaucoup les richesses. Vous êtes quelqu'un, peut-être, vous pensez à écrire quelque chose à une personne. Ou soit vous tendez à une nouvelle, ou vous êtes quelqu'un qui savent qu'est-ce qu'ils veulent et qu'ils observent les choses bien, que vous faites beaucoup attention à vous et votre parole et comment vous parlez avec la sagesse, les cancers. Les messages, les conseils pour les signes de Lion. Les signes de Lion, vous êtes besoin de retourner la force intérieur, besoin aussi de penser à partir à votre esprit, qu'il a besoin de libération, besoin de trouver votre bonheur, votre l'harmonie dans votre vie, et besoin aussi peut-être prendre la force que vous avez besoin, la force, et prendre le temps
tourner les pages, quelque chose, et besoin d'équiper votre esprit avec les choses positives, passer le temps. Si vous l'aimez beaucoup, les fleurs, peut-être acheter une fleur que vous l'aimez, ou soit vous restez un cadeau, peut-être à quelqu'un qu'elle donne une fleur. Vous l'aimez beaucoup, les fleurs, c'est ça, peut-être vous êtes besoin, prenez votre force. Et vous êtes quelqu'un qui veut peut-être tourner une page à une situation. Qu'elle pense à une situation qui doit tourner une page. Et pour prendre votre force et votre énergie. Alors, pour les vierges, les signes de vierges. Les signes de vierges. Alors, signes de vierges, vous êtes arrivés pas oubliés dans le passé, à une souffrance de passé, besoin de sortir cette souffrance, et besoin de nouvel départ, les vierges, parce que vous êtes encore toujours dans le passé, vous êtes arrivés pas oubliés à une souffrance de passé, de votre jeunesse, et besoin de nouvel départ, besoin à une nouvelle rencontre, quelqu'un nouveau, ou un nouvel métier, une nouvelle personne dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à oublier une situation de passé qui vous êtes resté jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à oublier, il y a beaucoup de souffrance, et besoin de changer votre vie et rencontrer une nouvelle personne, peut-être une nouvelle personne sentimentale, ou ça soit un nouvel métier, ou un nouvel travail. Peut-être que c'est quelque chose dans le passé qui vous est arrivé pas oublié. Les balances. Les signes, les balances, qu'elles sentent beaucoup l'harmonie, beaucoup le réussite. Le réussite, tous les domaines dans votre vie, la balance, la journée, que vous sentez bien-être, qui prenez beaucoup de temps pour vous. Et vous êtes senti l'harmonie dans votre entourage, ou soit professionnel ou relation, qui vous sentez à une réussite dans votre vie. Les conseils pour les scorpions. Les cinq. Les scorpions, besoin de prendre les décisions à une situation, besoin de communiquer, dites les choses, la vérité. Peut-être vous êtes quelqu'un qui le dépasse, quelqu'un a besoin d'écouter la vérité, quelqu'un qui tente la communication ou sortir un mensonge. Peut-être vous êtes besoin de prendre une décision, peut-être quelqu'un qui le dépasse la vérité, ou peut-être c'est vous-même qui vous peut-être cachez quelque chose, qui vous êtes besoin de communiquer clairement, dites les choses qui vous êtes gardées dans votre cœur et prenez les décisions, soit relationnelles ou soit familiales ou soit professionnelles. Et doit communiquer, dites la vérité. Les conseils pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous sentez beaucoup fragile dans votre énergie, besoin de protéger votre énergie. Vous êtes quelqu'un beaucoup les patientes, beaucoup de peut-être créativité. Vous êtes peut-être réussite professionnelle ou relationnelle. Attention les jalousies, attention les mauvaises personnes, à une tierce personne ou à une personne jalouse de vous, soit professionnelle, soit relationnelle, parce que vous êtes quelqu'un beaucoup la patiente, beaucoup la créativité, ou soit vous êtes réussi professionnel. Attention l'énergie négative, peut-être si vous êtes fragile, les gens qu'ils voient beaucoup l'énergie négative ou les jalousies. Même que les personnes qu'elles pensent à vous, qu'elles pouvaient voir par les pensées, les négatives ou les jalousies, c'est une énergie négative. Attention, vous êtes fragile pour cette énergie négative ou les jalousies. Protégez votre énergie, protégez professionnelle, et soit professionnelle, soit relationnelle. Alors, message pour signe de Capricorne. Les signes de Capricorne, vous êtes quelqu'un, beaucoup la fidélité, vous êtes peut-être peur de fidélité, ou vous êtes peur peut-être quelqu'un qu'elle pense vous n'êtes pas quelqu'un honnête, ou soit vous êtes peur de fidélité générale, qui pensez beaucoup à ça.
et vous êtes besoin peut-être exprimer quelque chose que vous gardez dans votre cœur, et vous êtes peut-être peur de quelqu'un qui a son fidélité, ou soit c'est vous, vous êtes arrivé pas à exprimer, vous êtes peur d'une relation ou une situation que vous exprimez pas, et vous sentez beaucoup de. Vous êtes quelqu'un sincère, mais vous êtes parfois, vous sentez peut-être qu'il y a les gens qui profitent de vous, qui ne sont pas fidèles ou qui ne sont pas peut-être les gens sincères, et ça fait peur, vous, à cause les mensonges ou à cause les gens ne sont pas fidèles. Ou soit une relation que vous doutez beaucoup, que vous êtes peur de votre compagne ou votre. Personne qui votre dans votre cœur qui n'est pas fidèle peut-être. Ça, c'est les peurs que vos angoisses expriment aussi. Le conseil pour le signe du Verseau. Le signe du Verseau, vous êtes dans le besoin de libérer votre fardeau. Un obstacle que vous trouvez à cette journée peut-être. L'obstacle pour vous, c'est les solitudes. Peut-être il y a les gens qui sont seuls, ou soit les gens qui sont vraiment qui sont bloqués, professionnels ou énergétiques, ou soit à cause des sanitaires, vous êtes bloqués. Que vous sentez dans le fardeau, qui besoin libération, besoin sentez libre, peut-être vous sentez prisonnier, vous sentez étouffé, vous êtes dans un fardeau, besoin vraiment libéré. Pour trouver votre la paix, peut-être la solitude qui vous a aussi. Prenez le temps pour trouver votre la paix parce que vous n'êtes pas bien physique ou psychique, ou un blocage, un fardeau, un obstacle, ou soit une solitude qui vous êtes fatigué avec rester seul. Alors, message pour le conseil, pour le poisson. Alors, les poissons, la journée que vous êtes besoin de méditer, besoin faire les limites dans votre vie. Si vous êtes à une relation, soit un professionnel, doit faire les limites dans votre vie. Vous êtes pensé beaucoup à l'état méditer, reposer, trouver votre calme, votre esprit. Peut-être vous êtes besoin pas garder les secrets dans votre vie. Besoin pas voiler tous les secrets qui gardés pour vous, ou soit vous êtes connaissance doit faire limite générale dans votre vie, soit professionnelle ou relationnelle. Il besoin méditer pour trouver les solutions comment faire limite dans votre couple, ou soit dans votre travail, ou c'est quelque chose qui le dérange, qui besoin le calme. Pour trouver les solutions, vous avez besoin de penser les choses bien, tranquilles. Prenez le temps pour réfléchir comment arrêter cette situation et faire la limite. Voilà. Merci beaucoup. C'est le tirage pour le 5 février 2021 pour une carte du jour pour les deux signes. Merci beaucoup. Si vous voulez mes vidéos, abonnez-vous, likez, merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt.